Cristal de menta. Cristaux de mental. C'est quel genre de sommeil que tu dors même comme ça? Cristaux de menthe. Cristaux de mental. Cristaux de mental. Cristaux de mental. MG. MG. Cristal de mental. Ça, c'est quoi quel poids que j'ai porté comme ça, mon frère? Et tu ronfles même, t'as dit que même si dit qu'elle va négliger le truc, rien que ton ronflement ne va pas me laisser dormir. C'est qui qu'on a porté? MG. Qui cherche le clou? Ça, c'est le clou. Le clou crème que j'ai porté. Cristal de mental. Où c'est que l'air que tu as mis là-haut? Moi qui ai 6 heures. Viens, viens. On voit la sorcellerie. Mon frère, tu sais qu'un type s'est appelé quel genre de fille hier. Il y a quoi? Elle a fait quoi? On t'est prié qu'on est rentré. Elle me dit, fais le sport. Parce qu'à un moment donné, le ventre ne va pas te laisser fonctionner normalement. On est ce sport de quoi? Je fonctionne comme ça depuis des années. Comme j'ai traversé hier, je suis allé me laver. Je reviens qu'elle est installée comme ça. Depuis hier, je sais où elle ronfle seulement comme j'entends le ronflement. Donc tu n'as rien fait, tu n'as pas frappé. J'ai dit que finis-tu, presque à froid. Et le ventilateur même s'est arrêté. Seul Dieu merci, mon Dieu, je supporte bien la chaleur. Regarde toi-même. Christophe de Mental, c'est même son vrai nom. Je sais plus. Sûrement, il connaît le code de nom, mais le gars, quand il l'appelait, il savait qu'il c'est était. Son nom, Christophe de Mante. Lui, c'est son nom, Christophe de Mante, pas Christophe de Mante. Cristal de Mental. Ah, c'est la magie, hein, mon frère. Donc, elle dort, comprends, mais elle ronfle. C'est depuis hier qu'elle dort comme ça. Putain, c'est plus que le ronflement, en tout cas, depuis là. On est allé porter un porte charmé qui ne peut rien soulever, mon type. Ou quand ça soulève, ça ne baisse rien. Donc, il fait un jour là, Dio. Tu vois, C'est 6 heures. Rien de fou. Et tu on doit même l'argent ici du loyer. Et ça, c'est plus qu'un furet. Ta femme, tu as vu comment elle t'appelle le castel? T'as vu, non? Peut-être c'est ça même qui rend. Quel castel? C'est la castel Fatigue. C'est même plus la panthère. Tout ce coup là, toi-même. Si elle ne ronflait pas. Ne touche pas là. Ouais, je vais revenir donc comment? Tu veux refaire la crevée là par les pieds? On revient quelqu'un par les pieds, plein de fous. Tu veux toucher ici? Pourquoi? On revient quelqu'un par les pieds. Tu t'écoutes pas les pieds. Tu veux toucher où? Je ne touche même plus. On revient quelqu'un par les pieds. Non, tu préfères secouer par ici. Si elle ne ronflait pas, même je devais avoir peur. Dis que quelque chose ronfle là depuis. Toi, tu vas aller bousculer les fesses. Toutes les dépenses que j'ai faites, c'est toi qui as fait. On revient quelqu'un avec les Cristal de mental. Et Dieu seul qui sait, mon frère. Moi-même, je suis. Il veut me porter que l'eau. Donc, je vais la verser que l'eau maintenant. Si tant pis, elle ne se réveille pas. Non, mais c'est pas le Allons-y, allons-y. Tu la connais pas, putain. Vas-y, vas-y. Gram. Gram. Pardon, viens, viens, viens un peu. Gram, pardon, viens, viens t'asseoir un peu.
Ça c'est vraiment une situation très grave. Quand je vois le cas qui est en train de nous arriver là, moi j'étais toujours conseillé en disant que c'est vrai que tu es mon grand frère, mais que quand tu bois, tu es sous, tu n'es pas obligé de rentrer avec quelque chose à la maison. Regarde dans quel état nous sommes. On sait qu'on va commencer comment pour vous. On est arrivé là hier comme il était. Elle me dit, non, pardon, fais le sport. Ton ventre là va pas souvent m'étouffer. Oui. Mais t'es sûr que c'est presque un début d'un match. Oui, je comprends. J'entre là, je me lave. J'ai le bien, je vois qu'elle a enlevé le haut. Elle est déjà en train de ronfler. Ton pied ronfle comme ça depuis hier là jusqu'à actuellement. Si je l'ai réveillé, pas en paix au sommet, ma main va me prendre. Des souvent tu tout. Donc c'est comme si elle a fait l'air naturel. Je suis tout. Je regarde là, j'ai guetté hier 6 heures. Merde. Moi, je ne sais pas comment on va gérer ça. On se coupe, même au lien ne bouge pas. Mais soyons responsables. Moi, on n'était pas obligé de faire ça hier. Moi, j'étais dit hier que rentrons. Rentrons, tu as vraiment dit que non. On va rentrer avec quelque chose. Tu connais même ton type, Fio. C'est mon ami, non? On a grandi ensemble. Il dort quoi? Il a eu quoi à la tête? Il dort quoi depuis combien de temps? C'est la fatigue de Geno, MG. Tu fatigues donc, s'il y a n'importe quoi ici, tu ne dois même pas attendre parce que tu dors. Le dossier Jela, que tu nous as amené hier là, que tu as donné à mon grand, c'était quel dossier comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Tu as pris la fille là où? Depuis hier, elle ne se réveille pas, elle dort seulement depuis hier, jusqu'à présent. MG, tu sais que moi-même, je ne voulais pas. Mais comme ton grand a insisté, tu sais que c'est le grand frère, non? S'il dit quelque chose, est-ce qu'il va refuser? C'est pour ça qu'il a fait tous les mois. Je suis même arrivé qu'elle était avec un homme. Avec l'homme. L'homme là a tout fait, refusé. Même que j'ai utilisé la technique. Tu connais mes techniques là que j'ai, non? Oui. Pam, 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 pam. Au moment où la sueur coulait partout. C'est quand, maintenant vous partez. Quand vous partez, moi maintenant, c'est que parti. Je constate que c'est comme si quelque chose coule comme ça. Quand il fait comme ça, oui. Je vois le sang. Donc, dans les embuscades que j'ai eues là-bas, ça fait que j'ai pas compris. Le sang a commencé à couler. Là, ça allait me soigner. Qu'est-ce que c'est? Gars, tu es mon ami, mais moi, j'étais toujours conseillé que quand mon grand souffre, même s'il veut n'importe quoi, tu ne lui donnes pas. Tu lui donnes une fille qui est calme. Et mon petit, apprenez aussi à juger le tempérament. Ce qu'on peut dire dans la boisson et ce qu'on peut dire quand on est lucide, c'est deux choses. Voilà. La fille ronfle. Ce n'est pas qu'elle n'est pas partie, elle n'est pas morte. Elle ronfle, mais on ne la réveille rien. Hey. Depuis hier. Si elle ne ronfle même pas, c'est qu'on s'était déjà assez. Mais elle ronfle comme le taureau, mais elle ne se réveille pas. Tu écoute, c'est qui ronfle dedans comme ça? Mais de l'or. Ça, c'est encore que j'ai des fils. Tu veux croire que c'est la crime? Ça, c'est. Écoute. Je ne sais pas comment on va gérer cette situation parce que c'est vraiment très pertinent. C'est très pertinent. MG, oui. Tout à l'heure, on m'a appelé avant qu'il dorme là. Il va aller gérer quelque chose en bas là, je reviens. Ok, nous sommes là. Quand je finis quelque chose là et je reviens. Ok, d'accord mon gars, j'arrive. Tu vois, je suis comme mon ami qui est en train de fuir ses mains comme ça. Voilà ça, ça devient une très compliqué. Voilà qui fuit. Tout ça parce que tu ne veux pas t'abstenir. Tu bois le vin, tu commences à gâter tout. Tu vois, regarde, on prend l'enfant de toi, on rentre avec. Elle est allée sur le lit là-bas. Et elle a le poids. Nous, même si on dit qu'on va la porter pour descendre avec elle. Tu vas porter avec qui? Combien de kilos? Et le jour s'est déjà levé. Le jour s'est levé là. Ah, mon petit, regarde comment je t'en prie. Moi, j'étais toujours parlé grand. Tu es mon grand frère, je te respecte beaucoup. Mais moi, j'étais toujours dit que quand tu pars boire, tu n'es pas obligé de boire, saouler et rentrer avec la femme. Tu peux rentrer seul, te reposer. Mon petit, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand il y a un problème, trouvons d'abord la solution. Il aurait dû forcer même la nuit frapper. Tu vois. Voilà où c'est limite ta réflexion. Comprends bien ce que tu dis. J'aurais dû forcer frapper, mais avec le problème de viol qu'il y a dehors. C'est que le viol n'est pas différent d'un crime. C'est où j'ai dit que mieux je la sais pour
qu'elle soit consensuelle avec moi. Grand, tu t'entends même parler. Tu connais même dans quelle situation nous sommes là. Donc tu es en train de penser seulement à frapper ton truc pendant qu'on a une femme qui est sur le lit. Elle n'arrive pas à se réveiller. J'ai même failli demander que ton grand frère c'est qui. Mais que son grand frère enfant dit que comment s'appelle alors ton petit frère. Et elle me dit souffler. Il dit que souffler c'est le nom de quelqu'un. Elle a le téléphone. Mais dans la boisson. Elle a le téléphone chez elle. Tu vas appeler qui? Mais quand j'ai vu l'anglais aller pisser, c'est comme si elle a poussé un truc dans le truc. C'est comme si c'est plutôt dans le truc. Attends, alors je viens, pardon. Tu viens comment? Tu sais que ça c'est l'heure de la réunion, moi. Je vais aller à la réunion. Je sais que c'est souvent 6h30, moi. Non, il est temps, il est l'heure. Regarde la montre, il est l'heure, il faut que j'aille à la réunion. Passe, mon petit. Attends, ça y est. Donc je passe, je laisse même seulement l'agent de la réunion, je reviens. C'est la boisson de quoi, papa? Je porte le caterpillage et rentre avec. Il y a un terrassement. Et que le même caterpillage ne peut même pas terrasser, même pas niveler. C'est qui? C'est qui? Moi. T'arrives. C'est moi. Ouais, j'arrive. Oh. Bonjour mon grand. Bonjour. Est-ce que parce que là-bas, il est en soirée, il y a même que il n'y avait personne. Parce que j'ai un problème, comme j'étais au marché hier, j'ai oublié de passer tous les condiments. J'ai payé le riz, j'ai payé l'huile. Mais il manque vraiment la tomate, la recette que je me donne. Avec un peu le cube, même quelques joyons un peu. Alors ça ne va pas. Tu as eu quoi? Et que j'étais au marché hier, en finance, je me suis même perdu. Et j'ai payé tout, mais j'ai sorti le condiment. J'ai payé le riz avec l'huile, mais tu t'as mis le sel, ou le cube, ou un peu le lait comme ça, même si c'est comme une gousse d'ail. Mon petit, si tu n'as pas envie, comme peut-être ta tête disjoncte, tu as seulement 6 sens. Si tu ne veux pas aller à 12 sens, ne viens plus pire ici pour me demander des choses. Dis-moi, si tu te demandes quelque chose. Tu m'envoies son coupant de plus de l'eau. Un chambon que tu veux le sel ici. Un chambon que tu veux les oignons. Bon, ok. Même toi, pourquoi tu y a un chambon que tu as accouché dans la fois que tu m'envoies pas le jour. Quand tu m'envoies son là-bas, je ne t'aime pas. Il ne te motive pas. Avec quoi? Alors, donc, tu m'envoies parce que tu sais quoi? De Maria. De Maria. Il m'a dit que la lettre que j'ai fait là, j'ai dit que c'était le. Ouais, je ne suis pas ici pour les cœurs que descend et ne vient plus ici. Tu as demandé les admettre le matin, à midi le sel. Je veux le sel. Il n'y a pas. Bon, toi même pas de on marie le mari à côté soit. Vas-y avec. Donc, vas-y. Vas-y. Pourquoi tu conçois? La même chance avec vous, mon frère. Le matin, nous le donne-moi les allumettes. À midi, un peu d'huile. Maintenant, tu viens pour le sel. Et tu associes à ça les oignons et tout, tu as oublié. Si tu n'as rien dans la tête, tu sais que j'ai quoi maintenant comme problème? On t'envoie seulement. Tu as un tas de problèmes dans un pas, comment il veut commencer? Un feignant vient me parler du sel.